Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse, le sommaire de cette émission en images et en son. Tout de suite, dans quelques instants, nous allons recevoir Marius Trésor et avec lui, nous allons revenir sur les faits marquants de cette cinquième journée de Ligue 1 pour les Girondins. Match nul entre Bordeaux et Evian Thonon Gaillard. Cheikh Diabaté sera avec nous sur ce plateau avec l'attaquant des Girondins de Bordeaux. On reviendra donc sur cette contre-performance à domicile et on évoquera bien évidemment le prochain déplacement à Toulouse, un nouveau au Girondin de Bordeaux. Il a signé dans les derniers jours qui ont précédé la fin du mercato. Il s'appelle André Biogo Poco. C'est un international gabonais. Nous le découvrirons ensemble. Et puis, comme d'habitude, pour faire le point sur ce qui se passe à l'entraînement, nous rejoindrons Olivier Faure et Olivier Paulin. Juste avant de recevoir Marius Trésor, nous filons tout de suite sur le terrain d'entraînement en compagnie d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en pleine séance d'entraînement des Girondins de Bordeaux sous le soleil. Ça commence déjà à chauffer ce matin sur la plaine des sports du Haillan. Alors regardez plutôt, on a commencé avec ces deux petits jeux, une sorte de petit tournoi, hein, j'ai envie de vous dire, avec les jaunes, non plutôt, alors les rouges et les blancs. Et vous voyez d'ailleurs Emiliano Sala, hein, l'attaquant de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux, qui a été appelé par Francis Gillot ce matin pour participer à cette séance d'entraînement. Et de l'autre côté, le même style de jeu avec ses petits buts, les jaunes contre les bleus. Et de ce côté, un autre jeune issu de l'équipe réserve a été appelé, c'est Rodrigo Castro. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, ce petit jeune argentin comme Emilio Sala, qui promet, espérons en tout cas, au Girondin, et qui a été appelé lui aussi donc par Francis Gillot. Voilà donc les deux Argentins qui participent à la séance d'entraînement ce matin. Voilà, vous voyez les Girondins qui sont partis courir un peu, histoire de récupérer de ces petits jeux. Voilà, on travaille encore beaucoup ce matin ici sur le terrain d'entraînement des Girondins avec ces petits jeux et cette récupération. Écoutez, je vous propose de se retrouver dans un instant, juste après ce petit footing des Girondins qui récupèrent, parce qu'il va y avoir, on s'en doute, beaucoup de travail ce matin avec tous ces petits plots qui ont été installés. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'entraînement, Emmanuel. Voilà, merci Olivier. On retrouve la Dream Team un peu plus tard dans l'émission. On accueille à présent avec grand plaisir Marius Trésor. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour. Et grand bonjour à nos amis abonnés. 48 heures après, même plus, 72 heures après ce match nul, j'allais dire cette défaite, c'est significatif. Non, c'est évidemment pas une défaite, c'est un match nul face à Evian Thonon Gaillard qui permet aux Girondins de ramener un point. Est-ce que votre analyse a changé? On a eu l'occasion de commenter le match. Non, mon analyse n'a pas changé. Il y a du boulot et il va falloir que les joueurs s'y mettent très rapidement parce qu'on a une semaine compliquée qui nous attend avec le déplacement à Toulouse, la réception du champion Lille, le déplacement à Lyon et si on voit un peu plus loin, la réception de Montpellier. Le leader pour l'instant. Oui, qui est leader pour l'instant. Donc, c'est quatre gros matchs qui attendent les Girondins. Et si on continue ce genre de prestations comme contre Evian Thonon, on peut se faire du souci. Ouais, et j'ai regardé Saint-Étienne contre Lille. C'était pas mal. Hein. Oui, attention oui. Sur les côtés. Surtout hein. Du côté des dogs. Exactement. Exactement. Allez, on va revoir ensemble les occasions. Elles sont maigres. Hein, côté Girondin, oui. Ouais, du côté Girondin, elles sont maigres. Il y en a 2-3. On va revoir les faits marquants de cette rencontre. Ça commence dès la 9e minute avec Johan Gouffran, notamment dans cette attaque qui est une attaque, on va dire, allez, placée, un peu construite. Oui. Johan Gouffran qui poursuit son effort. C'est bien amené. Ouais. Qui va repiquer, qui va centrer. Malheureusement, hein, on voit cinq garçons d'Evian et il n'y a que deux Bordelais, c'est quand même assez difficile. Et pourtant, à la relecture de ces images, effectivement, il y a quand même trois Bordelais, hein, où le déplacement semble plutôt cohérent. Il y en a un au premier poteau, un qui est à hauteur du point de pénalty. À ce moment-là, c'est bon, peut-être du côté de Johan, avant de centrer, lever un tout petit peu la tête et mettre au deuxième poteau, il y avait, je crois, Jussier, qui était seul. 13e minute, attention, ça chauffe sur la cage de Cédric Carasso. Une frappe de Jérôme Leroy dans la surface de réparation. Elle est cadrée, elle est puissante. Heureusement,
Oui, parce que là encore, hein, comme il y a Mika Siani qui sort un peu, il suffit d'une petite déviation du ballon pour que Cédric soit pris à contre-pied. Mmh. Mais là, il était. Michael n'a pas touché le ballon et Cédric était sur ses appuis.